Yo les mimi, yo les zaza, yo les amis, salut tout le monde! Et oui, comme vous pouvez le constater, je me suis enfin décidé à faire une vidéo sur Farming Simulator 15. Ah, ça fait longtemps, hein. J'en avais déjà fait une, il me semble, mais il y a une paye, hein. Ça fait longtemps. À moins que ça soit sur le 17, je sais plus. Enfin bref, voilà, je me suis enfin décidé, j'ai acheté le pack complet avec tous les DLC. C'est cool, il est multijoueur, bien. Bon là on peut pas parce que j'ai désactivé le réseau quoi, pour faire ma vidéo tranquillement, puis ben... On va commencer une carrière. Donc, je suis en train de faire des tests avec le difficile là. Je pense avoir trouvé comment, et je m'en vais vous l'expliquer. Allez, c'est parti. Je prends cette map là parce que je la connais bien là maintenant. Je me suis entraîné pas mal. Parce que au début. En difficile, bon, dans les autres modes ça va, c'est simple, hein. Mais en difficile pour pouvoir débloquer et encore je sais pas s'il y a des trophées, mais au cas où s'il y en a en difficile, voilà comment il faut faire. Donc là on est à 4000, on commence avec 4000, on va déjà baisser le son, voilà. 20%. Ouais, je disais, on a 4000 et un emprunt à la banque de 150 000. 150 000, c'est beaucoup. À devoir à la banque, c'est beaucoup. Et là, ben. Employer des ouvriers, tout faire tout seul, c'est bon, ça va, on peut s'en sortir si on fait tout seul, sans prendre d'employés. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir des employés, ils font le boulot correctement. Mais c'est cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Alors au début. Qu'il faut faire, c'est tout vendre. On vend tout ce qu'il y a. Vous voyez là, je vous montre, tracteur, voilà, à l'achat 51 000, ok, et à la vente 25 500, la moitié. Donc voilà, ils nous rachètent tout à moitié prix. Donc mais si on le vend directement ici, il nous donne 30 600. C'est déjà mieux. C'est déjà un bon prix, quoi. Enfin, de toute façon, il n'y a pas mieux, hein. C'est ça ou rien. C'est ça ou moins, plutôt, même. Alors... J'avais lu dans le didacticiel que c'est 20% qui donne. 20% en plus. Voilà. C'était pêche. Voilà, je vais tout vendre et puis ensuite ce que je vais faire, parce que c'est le problème, c'est la banque, hein. De toute façon le problème c'est la banque, même dans la vraie vie le problème c'est la banque, hein. Parce que le choix là des développeurs, il est pas bon pour commencer en difficile, hein, je parle là. En normal, bon bah ça va,
ça paye quoi. Le blé, là on commence avec du blé, regardez le blé, attendez je vous montre les prix du blé. Le blé, voilà, il est à 296, 276, 300, là, voilà quoi, c'est pas tellement quoi. Puis le champ, il va pas nous rapporter, il nous donne pas beaucoup quoi. Il n'a pas été fertilisé, il n'a pas été labouré, rien. Donc, c'est pas top canon. Et puis, je sais pas si le... Ouais, en plus, il n'est pas encore prêt à récolter. Vous voyez, là, il est prêt à récolter, mais il n'est pas dans la couleur foncée, là, le 16, là. Il faut que ça soit foncé. Pour déjà avoir un petit rendement un peu mieux. Mais bon, bref, on va pas se prendre trop de chou. Voilà, donc là je vends voilà ces deux là on va les réinitialiser. Oui. Et puis, ah, réinitialiser. Voilà, déjà ça va faire gagner du temps. Là, on est à 182 000. Allez, allez. Ok, vendre. 200 000. Voilà. Et c'est bon. 239 000. 669, pardon, excusez-moi. Donc, maintenant, on va acheter un tracteur. Il nous faut un tracteur avec chargeuse. On va prendre celui-là. Ok. Attends. D'abord, avant, je vais voir. Hein. J'achète déjà ce qu'il faut. Il me faut donc ça. Ensuite, une chargeuse. Ensuite, il me faut une faucheuse. La cune, celle-là. Je prends. Ensuite, il me faut un chargeur là pour charger. Il me faut la palette pour faire des courses et Ah bah, 1800, hein. Voilà, ok, en capacité, hein, je parle, hein, 1800. Celle-là, 1300 en capacité, voilà, pas terrible. Voilà, donc il me reste 192 000. Là-dessus, il faut que j'achète... Là-dessus, il faut que j'achète parce que là, si vous regardez bien, là, par exemple, là, si j'accélère le temps, là, voilà, j'accélère le temps, vous allez voir que l'argent, il va descendre, il va baisser. Hop, 68. Bon, là, ça va, 68, 1 euro, c'est pas grand-chose. Mais il y a des fois, c'est plus que 1 euro. Et puis ça descend, ça dégringole. Voilà, 67, et là-dessus il y a les employés et tout ça. Bon, là ça va, c'est 66 maintenant. Voilà. Bon. Alors, stop. On va arrêter le temps. Alors, mais ça va vite hein, quand vous êtes occupé.
Vous laissez le temps passer, ça va super vite. Alors, maintenant que j'ai fait ça, il faut que j'achète, on a dit, le tracteur. On va voir si on peut prendre un tracteur. Il y a celui-là, 60 et quelques. Mais il sera pas assez puissant. On va prendre plutôt celui-là. Voilà. On prend celui-là. Il nous reste 87 000. 87 000. Et là, il nous reste encore 50, 50 000 à emprunter. On va les emprunter. Voilà, on est à 137 000. D'accord. Et là, maintenant, pour me débarrasser de du crédit que vous voyez, il me prend à chaque fois un petit peu, la banque elle me prend un peu, l'entretien aussi des machines et tout ça, parce qu'il y a un entretien, hein. Ça, c'est coûteux. On va acheter un panneau solaire. Alors, on va commencer par un panneau solaire. Toc. Et voilà. Et c'est bon. Rien qu'avec ce panneau solaire, l'argent que la banque elle me prend, le panneau me les rembourse. Avec un petit plus. Voilà. Donc là, c'est nickel. On y va. On va se prendre ça. On va se prendre d'abord. Faut venir chercher ça. Waouh! Purée! Le bug de la mort. Ça arrive, ça. Hein. D'accord. Il m'a fait un sale tour. Allez, farming 15. Voilà. Mortel. Ok. On va ramener tout ça en bas à l'usine biogaz. C'est bon. Je vais ranger ça ici. La pelle, on va la mettre ici. Mince. Voilà.
retourne chercher le... la palette. Sympa, hein. C'est joli. J'aime bien. J'aime bien ces arbres en plus. Un peu plié. J'aime bien. Ok. Super. Ok. Nickel. Ah, on va le lever un peu. Voilà. Et puis, ah ouais, il faut que je mette les missions en marche. Je vais mettre toutes les 2 minutes. Comme ça, ça sera nickel. Et là, on va se faire des petites missions, histoire de rapporter du fric. Pépère. Ça rapporte bien, hein. Ça va. Ça va, tranquille. Voilà, et à côté de ça, bah... jetons la pelouse. Voilà quoi. Jetons la pelouse et puis ben je fais de l'ensilage. Oh mince. Ok, livraison 4900. Waouh, pas mal. Je prends. Allez, c'est parti, on y va. Ah, désolé pour ceux qui voulaient lire. Ah mince, pas là. Ah bah je commence bien moi, si je me plante. Si je me plante de chemin, ça va pour le faire. Aïe, aïe, on peut pas passer par là. Vite, 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 vite. Ouais, mais attends, il est où le truc là? Ah ouais. Ok. Et c'est ici. Oula, petit lag. Et donc on va aller livrer ça à la gare. Et voilà, mission accomplie, plus un temps de bonus, 775, waouh, génial, impeccable, vous avez vu, hein, ça a rapporté, hein, bien comme il faut, waouh, super, waouh, ah tiens, il y a un autre panneau là-bas, là, on va aller voir ce qu'il y a. C'est le moins loin. Voilà. Petit panneau. Ok.
Allez, donne-moi une course sympathique. Oh, pas mal. Alors, 4005, 6100. 6100. 4005. 6100. Allez, vas-y, on fait le 6100. Hein. On a besoin de sous. Là, on voit pas les pales. C'est mort pour le RP, ça. Ok. Ok, j'aurais pu gagner un petit peu plus, hein. Ouais, c'est dommage. J'ai vu qu'il y avait une banque. Ce qu'on va faire, on va commencer à rembourser la banque. Voilà. Ça baisse le taux d'intérêt aussi. Ok, c'est bon. Allez, maintenant on va se faire un petit peu d'ensilage. D'ensilage. Bon, ouais, tiens, problème. Voilà. Là, c'est dommage, on peut pas prendre d'employé, on est obligé de le faire soi-même. Hein. Mais bon, c'est bon, ça paye. Hein. Là, c'est le truc qui paye le plus, hein, l'herbe. Ramasser le gazon, c'est ce qui paye le plus hein, dans le jeu. Hein. Hein. C'est clair, 807 l'ensilage. Hein. 807 les amis, l'ensilage. Hein. C'est plus que tout le reste. Hein. Ah ouais. En dessous, c'est le colza. 619 au moulin à farine. Ah ouais. À une petite cube. Tiens, je vais vous mettre la vidéo de présentation du jeu, puisque
l'ai pas mise, je l'ai pas laissée au départ. Tiens, je vais la mettre là. Allez, à tout de suite. Bon alors, voilà, un petit engin hein, sympathique, hein, il est sympa, hein, un petit engin hein, bien fait, hein, bien réalisé, hein, sympa, j'aime bien la patine, la couleur un peu comme ça, un peu abîmée, vieillot, sympa, j'aime bien. Bon, alors, ouais, je voulais vous montrer un truc, donc on va prendre ça, mais bon, je vais pas le placer, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez là, j'en ai acheté bah là maintenant j'en ai un paquet là hein. Là j'en ai 20 là, je crois. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ouais, je suis bête, j'ai juste à faire ça, j'ai juste à aller là dessus voilà, ouais. En votre possession 20. Voilà, et j'ai acheté un comme ça, voilà. J'ai dormi toute la nuit et puis j'ai laissé ma console allumée et puis voilà quoi, tranquille, j'ai pu en acheter un que j'ai placé dans la roue là. Voilà, ici là. Ça. Que c'est gros hein, quand même. Voilà, tranquille. Bon, bah maintenant oh oui, j'ai acheté plusieurs terrains, j'ai acheté le 15, le 20 et le 19. Voilà. Alors le 15, le 20 et le 19, c'est du colza. Et le 16, c'est du maïs. Voilà. Je les ai fertilisés, tout bien. C'était long, hein. Dis donc. C'est long. Hein. Ah ouais. C'est long, grave. En plus, bon bah, il y a des tracteurs. Bon, celui-là, ça va. Avec ce tracteur-là, le New Holland, ça va. Il a un bon rayon de braquage. Vous voyez, bien, 180 degrés, ça va, nickel, nickel. Donc, il n'y a pas de raté quand on fait le champ. Mais par contre, les petits et puis celui-là, là. Ça marche pas bien. Le JCB, c'est pas top. C'est dommage hein, d'ailleurs. C'est dommage pour qu'on puisse pas vraiment bien l'utiliser pour semer, pour ensemencer quoi. On peut l'utiliser pour ça, voilà. Je l'utilise pour ça, pour fertiliser. Puis ça va, il est bien et. Pour se balader, il est bien, il va à 70 km/h. Super, hein. Ça speed, hein. Ça fonce. Super. Voilà. Donc là, bon, on va accélérer le temps. On va accélérer le temps, là, vite fait. Ah, mince. Voilà, on va mettre à 120. Puis bah, je vais en profiter pour sauvegarder. En même temps. Voilà. Ouf.
il a du mal à partir hein, quand même. Attends, on va voir si c'est pas à cause du poids de l'appareil là. Si. Oh non, c'est parce que je suis en pente, c'est pour ça. Bon, 70, c'est cool, hein. Ça fonce, hein. Voilà, bah, y a plus qu'à attendre, hein. Et puis chaque heure avec les 20 panneaux solaires plus l'éolienne, ça me fait 2 900 €. Nickel. Chaque heure du jeu. Fois 120, bon bah ça va vite, hein, c'est cool. Voilà, je vais acheter tous les terrains. Je vais tous les acheter. Puis ben, on verra. Ça va, il est sympa, hein. Il est multijoueur en plus, hein, le jeu, hein. Mine de rien. Ouais. Multi, hein. Ok, je l'ai platiné, hein, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Bah tiens, en attendant, on va en scier un peu. En attendant que ça pousse. Donc, ouais, il faut que j'aille chercher le... de coupe. On commence hein, scier. Alors déplier la buse, activer et c'est parti. Ça va, c'est cool hein. Et ça prend pas l'herbe. Enfin la culture, ça prendra la culture que quand elle sera prête à être moissonnée. Donc là on peut pas employer. Donc, je mets le régulateur de vitesse et puis je laisse avancer tout seul en attendant que ça se remplisse. Ça va, c'est des longues lignes droites là. Vraiment très longues. Ça va. Là, il y a de quoi, hein. Jusqu'au champ 21, c'est bon, il y a de quoi. D'ailleurs, tiens, le champ 21, il faudrait que je le prenne aussi, que je l'achète. J'ai l'argent, c'est bon.
Voilà les amis. Allez, on va passer à une autre étape. À tout de suite. Ah tiens, voilà, c'est bon, on a terminé. C'est rempli. On va aller vider ça là vite fait. Oh là là, ça va me faire faire un de ces tours là. Attends, on va passer par là, c'est plus rapide. Ah oui, au fait, arrêtez le temps. Voilà, c'est bon, arrête le temps. Ah, c'est quand même mieux de travailler quand il fait jour. Puis c'est plus beau à regarder le jour que la nuit. À se vider ici. Cinquante-six pour cent, cinquante-sept pour cent. Vous avez vu, il y a des petits sauts d'image. Enfin, là, moi, je vois des petits sauts d'image sur le panneau de commande en haut à gauche. Ça saute de temps en temps. Je sais pas si c'est ma télé ou qui déconne ou si c'est le jeu. Bizarre, en tout cas. Alors, je sais pas si c'est pas à cause du fait que je suis en ligne. Aucune idée. Ok, donc voilà, on a fini ça. On a fini ça. Ok, bon, alors là, il faudrait que j'achète des moissonneuses. Hein. Il va en falloir deux. Je sais pas, je vais en prendre déjà une et puis un camion. Alors, une moisson, magasin, moissonneuse. Alors, j'ai téléchargé les DLC parce que j'ai tout acheté, hein, j'ai acheté complet avec tous les DLC. Là, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux pas chers quoi. Là, celui-là, 75 000, c'est vraiment pas cher, mais bon, capacité 3000, hein. C'est du que dalle de chez que dalle. Là, combien la capacité? Oh, c'est même pas écrit. Ah oui, non, ça c'est une lanceuse. Ah oui, ça aussi c'est une lanceuse. Ok, d'accord. Alors, ancilleuse, anzileuse, on s'en fiche. Hein. Alors, 12 000. Celle-là, elle fait combien? 14 500. Ouais, c'est le max, hein, 14 500, y a pas mieux. Mais bon, Chiro, hein. Ah, Chiro quand même. 430 euros. 380. Ouais, mais bon, c'est pour... Vas-y, hein, prends celle-là. Ouais. Ok, allez, adjugé, acheté. Adjugé, oui. Ok, et puis, on va prendre une barre de coupe. La plus grosse. Ouf, attends, c'est quoi ça? Ça, c'est pour le maïs. Une barre de coupe New Holland. Ouais, celle-là. Ok. Voilà, combien il me reste? Ouh, pa, 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 100 et quelques. Alors, ça coûte combien? 280, 165. Là, celui-là, c'est un 462 chevaux, 440 chevaux. Oh, il est plus puissant celui-là, et moins cher. Ah ouais, carrément. Mais plus cher à l'entretien. Bon, on va prendre celui-là. Donc, et une benne, la benne, il faudra une benne... Une benne, comme ça quoi. Donc là, on est dans les. On n'aura pas assez. Hein. On n'aura pas assez. Si, peut-être. Peut-être, hein. Si, on aura assez, c'est bon. Voilà. Top. Ok, c'est bon. Ah, tiens, elle est rouge.
Hein? Attends, je me suis pas trompé, Ah, j'ai dû prendre peut-être celle du 15. Oh, j'espère que ça va aller. Oh non, t'es sérieux? Ah, je me suis trompé. Oh le con. Ah. Ah non, je me disais. Ok. Ah. Ok. Bon, il faut que je fasse un emprunt. J'emprunte. Heureusement, j'ai tout remboursé à la banque. J'ai emprunté là vite fait. Il faut c'est 100 et des brouettes, je sais plus combien. Ouais, c'est bon. Ok. Oh bah tiens, on va choisir bah jaune. Vas-y, j'aime bien le jaune. Ok. Ah, ça pour livrer, ça va être cool. Ça va porter bombe. Ça va, il est quand même puissant, il va vite, 66 km/h, c'est bien. Ok, donc alors va falloir je sais pas si je vais réussir à sortir là, par contre hein. Est-ce que ça sort là? Ouais, ça a l'air. Ok, super. Voilà. Ah là, par contre, passer. Oui, ça passe. Par contre, là, je pense qu'il vaut mieux que je moissonne de ce côté, au moins une fois. Parce que là, faire demi-tour, ça risque d'être chaud pour les employés, hein, je parle. Voilà. Déployer. Non, c'est pas déployer la barre de coupe. Faut changer. Voilà. C'est bon. Allez. Au boulot. C'est parti. On va faire le plein. Ah ouais. Là, ça va. Ça va être bien cool. Et bien, à tout de suite, les amis, pour la suite, je reprendrai quand j'aurai terminé ce champ là. Je vous dirai combien de fois j'ai chargé le camion. Allez, un autre instant publicité pour un autre poteau. Les popoyo, les totoyo, les poteaux, salut tout le monde. Je suis en compagnie de Zorax. Et à vous de parler à nous. Yo les gens. Yo. Allez, on va se faire mission livraison, donc long courrier.
à 625$. Vous me direz les gars comment vous aurez gagné. Ah. J'espère qu'on va réussir à la faire. On est combien dans la session là? J'ai même pas regardé. Ah, 10 à peu près, 10-11. 10-11? Ok. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. On est parti, les amis. Oh, mon chariot, il est vide. Comment ça se fait? Oui, c'est normal. Le propriétaire de la mission ne voit pas la cargaison. Ah ouais? Ouais. Pourquoi, je sais pas. Bon, c'est chelou, ça. Ah, oh, Bad Boy, t'es où? Ah, t'es derrière. Ouais, t'inquiète, survive. Ok. Ah oh là là. Ah là, je me sens rassuré, hein. Franchement, j'espère que ça va être bon. Mais oui. Attends. C'est long courrier, c'est long, hein. Long courrier, c'est long. On va se rendre où alors? Attends, je regarde sur la carte là vite fait. 21. Oh. Ah ouais. Ah ouais, jusqu'à là-bas. Vite, galope, avance. C'est quoi ça? C'est des bandits? Avance. Vas-y, avance, ouais, faire 3 points, il y a un grand ennemi qui est un mec. Normalement, ça devrait le faire. Ça, c'est des PNJ, ça. Ouais. Ok. Yo, vous avez vu ça? Ah là là, alors là, cette fois-ci. Je vais faire le rendement maximum du champ. Ah ouais. Là je suis en train de l'ensemencer là. En colza. Ensuite, parce que là il est labouré. Donc labouré, ensemencé, fertilisé. Ah ça va être le max. Hein, le max. Le max de chez Max. Et on va voir combien de moissonneuses, enfin combien de moissons je peux faire quoi. Moisson, non, c'est pas moisson, la moisson c'est la pluie. Combien je remplis de moissonneuses, ouais, voilà, et combien de camions. Ah ouais. Parce que là, le précédent, j'ai fait 7 moissonneuses. Ouais, 7, presque 7. Il manquait quoi, 2000 pour faire 7 moissonneuses. Et donc ça fait une remorque et demi environ. Ouais, environ une remorque et demi de une remorque comme ça, hein. Voilà. Ouais, une remorque et demi, hein, on va dire. Hein. Là, je suis à 46%. Ouais. Presque et demi, quoi. Puis, bah, vous avez vu la thune là-haut? 1 million. 1 million, les amis. Ah, parce que j'étais en train de le labourer, et puis j'ai mis des employés, et je me suis endormi. J'étais fatigué, j'ai dormi, je me suis réveillé avec le pactole, on va dire, avec le pactole. On va voir si j'ai remboursé la banque ou si je dois à la banque. Ah ouais, je dois à la banque 170 000. Bon, on va les rembourser, tiens.
Ah mince, là j'ai emprunté. On va les rembourser. Voilà. Vous avez vu, hein, ça. Bon, ah ouais, non, mais là, c'est parce qu'il y a un employé. Hein. Attends, on va voir, on va essayer d'enlever l'employé, voir. Toc. Est-ce que ça dégringole? Ouais. Hein. Ça dégringole, hein. Le prêt est remboursé. Et pourtant, l'argent dégringole. Pas de beaucoup, mais ça dégringole. C'est l'entretien des machines. Voilà quoi. Ouais, ça dégringole vachement bien hein, quand même. Hein. Mais heureusement, ça remonte avec la. Ça remonte avec l'électricité pour faire court. Ok. Eh bien, c'est sur ce, les amis, que je vous laisse. En vous souhaitant de passer une bonne journée. Ou une bonne nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Voilà. Ah, désolé, hein. Moi, j'aime bien faire des vidéos d'une heure. Je trouve ça plus sympa. J'essaierai de faire des condensés. En sorte d'avoir plusieurs vidéos sur une seule. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Et merci encore à vous tous pour ces nombreux abonnements, ces nombreux commentaires, ces nombreux likes. Merci beaucoup. Salut tout le monde!